Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Smite. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de conquête, c'est-à-dire que j'en ai fait tout et pour tout 3 sur la nouvelle saison. Donc je vais me faire défoncer le cul, je m'étais dit quitte à se faire défoncer le cul, autant jouer le nouveau personnage qui n'est autre que le petit Fafnir. Je vais tenter de réfléchir à ce que j'achète pour le early. J'ai aucune idée. Allons-y, alors. On va commencer par le 1 qui me paraît pas trop mal. Alors Fafnir, on a quoi? On a un personnage qui va avoir un passif qui fait qu'à chaque fois que des minions meurent autour de lui, il gagne plus 4 en gold, sachant que dès qu'il a 1000 dans sa besace, il a plus 30 à chaque défense. Donc c'est quand même un truc hyper puissant, ça va lui permettre de golder toute la game facilement. Son 1, il va lancer son marteau, s'il touche un héros, il le stun une seconde. Son 2, il cible un allié, il lui booste sa vitesse d'attaque, ses dégâts et il se soigne lui. Pas l'allié mais lui. Son 3, il leap en avant et il met juste un coup. Et son ulti se transforme en dragon et change chacune de ses compétences, sachant que son auto-attaque devient un gros souffle continu. Et vous allez voir, au niveau de l'animation, il est complètement invulnérable pendant qu'il se transforme. Par contre, dès qu'il se détransforme, il peut prendre super cher, il faut faire super gaffe. Donc voilà un petit peu les trucs. Hop, lancer de marteau donc. Donc je sais pas du tout comment est la méta aujourd'hui, j'en ai aucune idée, je sais même pas comment le sup doit jouer. Je suis en train de me dire d'ailleurs que je n'ai pris aucune ward, je ne sais pas comment ça va se passer. On va compter sur du système basique au niveau des items, donc genre souveraineté et ce genre de merdasse pour faire ça, hein. En tout cas, voilà. Ah oui, très important, avec votre 1, dès que vous touchez quelqu'un, il prend une aura qui slow les gens autour de lui. Donc c'est un peu fumé, quand même. Genre là. Oh, raté. Pendant 3 secondes, si je me trompe pas. C'est plutôt cool. C'est plutôt violent. Vas-y, soigne-toi. Je vais t'en voler un. Hop. Ouais, on va le buff quand même. Un peu plus d'attaque speed. Au cas où. Un souci, alors je sais même pas. Pif dans tes gueules! Je sais pas du tout comment ça se passe. Le laning avec une Skadi, en plus, je l'ai jamais eu en conquête, moi, donc. La game de l'angoisse. On a un rattache avec. Où ça, il y a un rata? Comment ça se fait qu'on ait entendu le voice pack du rata adverse là? The fuck? C'est quoi ces conneries? Voilà. Allez, on va prendre le jump, bien sûr, hop, il va hyper loin, sachant qu'une fois qu'il est en dragon, il va encore plus loin, il peut le faire plusieurs fois si je me trompe pas, il stun en plus. Et je suis pas sûr de toutes les compétences, je les ai lues en diagonale, hein. on va les tester ensemble surtout. Et ouais, t'as plus de mana, mais fais-moi des cœurs, je les récupère tous si tu veux. Et il passe au travers des murs, ce qui est vraiment une très bonne chose. Voilà, hop, t'as fait le plein, non pas encore, allons-y. Oui, t'inquiète pas, ça ne me ping, je connais Cupid. Bon, alors. Comment ça se passe? Non, le rata est chez nous, hein, je suis vraiment con. Hein. Hop, non, tu ne me toucheras pas, tu as pris ça à ta gueule au passage. Aïe, 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 aïe. Le gank raté, j'ai l'impression, c'est pas beau. Hop. J'ai pas mal de thunes, hein. J'ai vraiment pas fait grand chose et j'ai pas mal de ronds. Ah oh, putain, le lancer raté, ça traverse donc sinon tous les creeps, c'est plutôt une bonne chose. Ça peut permettre de dépêcher, ça peut le permettre d'en faire pas forcément un solo, mais un jungler pas complètement déconnant, je pense qu'il y a moyen de faire pas hyper fort, mais un jungler casse-pied, ça j'en suis sûr. Hop, donc non. Allez, on va taper le loup. Tiens, voilà, ça c'est bien. Ok, stu back. Yes, nickel, merci. Donc ça va me permettre d'aller jusqu'à l'ulti, Pena. Wow, nope. Au pire, je peux me heal, hein, donc faut pas non plus, avec la petite animation dégueulasse, ça va être un peu cheap. J'ai pas de mana, par contre. Faire gaffe, mec. Par contre, le Susano, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? On a rien chez nous. Raté, ça c'est bien. Je vais bientôt back. Faut qu'il fasse gaffe, le petit Cupid. Hop. Ils sont en train de nous prendre notre campement.
Et si on leur faisait un petit slash dans la gueule? Non, attends. Oh là là, là 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 là. Crac. Raté. Tu fais quoi, Cupid? Ouais. Allez, on ulti. Donc il met un peu de temps à se transformer, hein, donc vous avez vu, ça peut être... Merde, l'auto-attaque qui vient, donc vraiment... Complètement... Ah putain, putain, j'ai plus de vie. Et j'ai surtout plus de mana. Faudrait que je puisse le leap. Comme ça, là... Ah putain, il a pas pris les dégâts, l'enfoiré. Est-ce que je le touche? Ah, Cupid, 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 Cupid. Oh, je suis mort. Je suis mort, je suis tellement mort. Putain, j'ai juste servi à rien sur cette action. On part sur les bots. Et on va acheter des wards. Consumables. Voilà, sentry et des wards. Que je n'ai pas de place parce que j'ai une pulsion. En fait, un truc qui est juste un tout petit peu dommage, ces animations sont dégueulasses en dragon, ce qui fait qu'on se perd assez facilement. Moi, en tout cas, je me perds un peu et je trouve ça désagréable d'avoir un perso. Putain, maintenant, Smite, c'est plus tout récent comme jeu. Enfin, je veux dire, ils ont de l'expérience, donc ils peuvent plus se permettre de faire des persos un peu pouillis au niveau des animations ou quoi. Je trouve ça dommage. Allez hop, vas-y. Baise-les, s'il te plaît. Ça me fait de la thune. Et on va aller... Ah ouais, c'est ça, on va se tromper de touche, hein. On va aller ward. Voilà. Il n'y a pas de ward adverse à choper. Comment que ça se passait? On va faire ça. Voilà. Ah, je trouve qu'il faut, je pense, monter sa deuxième compétence, mais pas sûr que ce soit vraiment super worth it, je sais pas trop. D'ailleurs, je peux buffer une personne, très bien. Quand je suis sous forme dragon, je buff une zone, donc ça permet de faire des actions pour les teamfights qui peuvent être assez cool. Aïe aïe aïe. Ouais, là c'est le kill. Voilà, ça c'était beau. Enfin, c'était beau. C'était un gank normal avec le nouveau Rata qui est assez violent. Aïe. Cupid. Ouais. Est-ce que t'es toujours là? Non, t'es pas là. T'as peut-être besoin de mana, alors attends. Hop, j'arrive. Il faut aller au mid. Allez. Vas-y, Rata, tu t'attends. T'es où, Rata? Rata, t'es où? Oh, le blaireau! Qu'est-ce qu'il a foutu, Rata? T'es sérieux? On va leap. Ah oui, ça disarme, c'est vrai aussi. Donc ça, c'est très puissant. Un petit disarme. Il est peut-être. Non, il n'est pas baisable. C'est vrai que ça disarme ce leap, qui est, c'est hyper puissant. Hein. Ça tape super loin et ça fait chier, en fait. Énormément. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut prendre le campement à droite, les enfants? S'il vous plaît. Est-ce qu'il est là, le mid-camp? Ouais. Allez, on le fait. Non. On va se buff, alors. Ça, on tape un peu plus fort, un peu plus vite. J'ai assez de mana pour me barrer s'il y a un souci, parce que là, ils m'ont complètement ignoré. C'est là. Alors, les enfants, comment vous dire? Ça a l'air de m'aider. Hop. Crac. Et voilà. Le travail, le campement solo. Pum. On va la disarme. Et on va se barrer parce que j'ai vu qu'il y avait de l'agression possible. Ok, on se barre. Bon, j'ai 1000 gold, hein, donc j'ai eu 30 en, de chaque résistance. Ce qui est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il faut rester toujours au-dessus pour avoir ce bonus ou prendre en compte que l'argent va monter vite? Donc de toute manière, c'est pas très grave. C'est assez... c'est les grandes questions du personnage. Aïe. Chaud. C'est bon. On va le buff. Je vais prendre son soin. Tu peux prendre l'autre. Yes! Ah, raté, putain. Careful in the jungle. Mais je vais quand même venir t'aider. On va le tenter. Ah, putain, la sol l'a chopé dans le cul. C'est pas ça que je voulais dire. Vous avez compris. C'était le Fire Giant. Tu peux le faire. Je vais slow la sol. Est-ce que je peux te buff? Non, je ne peux pas te buff, je suis trop loin. Mec, je pense que tu risques de mourir si tu restes dans... Sauf si je peux la toucher. Ok.
Je sens que je vais me faire flame, je sais pas, je le sens bien. Le but était de ne pas se faire tuer, le gank était raté. J'aurais peut-être pu engage plus violemment, je sais pas trop. Hop, on va le buff. C'est du boost de bonus au dommage, donc c'est vraiment pas de c'est pas un bonus en puissance ou en dégâts physiques, c'est un bonus qui va à tout le monde, donc ça c'est plutôt une bonne chose quand même. Si on a marre des bonus qui vont qu'à un seul type de héros ou quoi. Hop, allez, on y retourne. Et ouais, le 2, le 3, quand vous êtes en dragon, ça fait des tics après, ça fait des dégâts au fur et à mesure. Et quand vous êtes en dragon, le 1 fait un debuff aux gens de protection, donc c'est plutôt puissant. En dragon, donc c'est un personnage qui va faire énormément de choses, il faut faire très attention, mais très lent et assez compliqué à jouer en fait. Une fois en dragon. Enemy missing right, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque à droite ? À gauche. Allez, on peut le faire, on peut le faire. T'es où, Cupid, Cupid, Cupid ? Voilà, s'il te plaît. Hop, sachant que son ulti, en fait, ce qui va se passer... Alors déjà, il reset tous les cooldowns, c'est important à savoir. On va leap. Je l'ai raté ou pas ? Ah putain, je l'ai raté, je crois. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, en fait, finalement, en montant de niveau, ce qui va se passer, c'est il va juste durer plus longtemps. Ah putain, j'ai raté. C'est quoi, il y a la sol en plus ? Non. Ok, on va se soigner. On va le foutre le feu au fion, on va le leap. Voilà, ça c'est bien, juste avant de changer. Vous voyez, la détransformation est hyper longue aussi. Vas-y, bute-le. On va le disarme. Ouais, et aussi, très important, ça annule tous les effets de vos items. Donc tout ce qui va être critique, etc. au niveau du souffle. Donc c'est, faut faire gaffe et pas compter là-dessus en tout cas pour tuer les gens. L'auto-attaque, c'est sympa, mais je sais pas non plus le truc qui fait. Il build quoi le Cupid ? Ok, gantelet du dévoreur, vraiment ? On joue ça aujourd'hui ? Maintenant que le forge sang est devenu l'item le plus pété du jeu, on joue cette merde. C'est bon. Ok. Je peux dire des conneries, j'aurais jamais pensé que ça reviendrait sur la metagame tant que. Hop, switch de l... Enfin switch, qu'est-ce que je raconte ? On va aller chercher la souveraineté. Le but c'est quand même de gagner, hein, pas de... Ouah, 3-9, putain, laisse tomber, comment tu veux qu'on la win celle-là ? Comment tu veux qu'on la win ? C'est qui chie dans son fog ? C'est le Ratak qui fait tous les kills, le Susano galère un peu, mais le Susano il a quoi en solo lane ? Il a l'afro ? Ouais. Voilà, qui prend encore un kill sur lui. Quand le problème d'une afro, c'est que en solo, s'il y a un assassin en face, il galère. Il peut pas faire grand-chose, je trouve. Hop. Ah putain, j'ai raté mon truc. Tiens. Ouais, c'est ça. Ratons tout. Ce lancer de marteau n'est pas si simple à toucher que ce que j'aurais pu penser. C'est la compliquescence. Hop. Allez, c'est parti. On tue la afro ou pas ? Ou on s'en bat les couilles ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en bat les couilles. Voilà. Allez, on va le disarme encore comme tout à l'heure. Crac, voilà, là il est baisé. Lancer de marteau, yes, le kill est là. Bien joué, je vais lui faire. Si j'y arrive, elle buff. Non, je peux pas, c'est pas grave, il a survécu. C'est important, vas-y. Oh, dommage, le miss. J'ai plus de vie, mec, je suis désolé. Si Rata t'y retourne, je te buff. J'aimerais te buff avant de partir. Ok, c'est bon. Ça va quand même. Non, il y va pas. Tant pis. Bon, on a pris un point. Putain, c'est pas encore ça. On va y arriver, mais... J'ai entendu de la pique. Allez, hop. On dash le plus vite qu'on peut avec un nain. Hein, bien sûr. Putain de chien. Allez. Le Raijin, ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Fais gaffe. Te fais pas kill, s'il te plaît. Par contre... Ah, dommage. Est-ce que le Cupid est mort ?
Putain, je vais arriver trop tard. Je vais arriver juste tellement trop tard. Et merde. Voilà, ça. Allez hop, ça te permet d'éviter l'ulti. On va nous buff tous les deux là. Merde, ça là, il a fait son ulti aussi, non? Hop, déjà on a niqué le clébard, ça c'est bien. Vas-y, barre-toi, moi je peux leap super loin. Chut, hop. Et les animations sont pas terribles. Hop, je vais nous soigner. Je vais me cracher à la gueule. Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc là. Ouais, c'est bien ça. Ah, ouah. Ça me... Vas-y. Hop, je le désarme. Ouais, plutôt bien. Je suis plus inquiet, j'ai vraiment pas voulu. Vas-y. Ouais, peut-être pas. Vas-y, frappe bien fort. Ça peut être cool. Alors, t'auras tout ton truc. Ouais, le mec il me demande le. Il aurait préféré avoir le buff avant. T'es là. Oui, bah écoute, je fais le buff. T'avais qu'à le ramasser. J'ai envie de dire, j'étais en train de me dire mon buff à moi. Non, le raid. Mais le raid, il. Écoute, copain, hein, tu vas te calmer. On va prendre le shell. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Je suis vraiment complètement paumé. Je me dis même que j'ai les mauvaises bottes. Je pense qu'avec lui, il faut prendre des Talaria pour la simple et bonne raison. C'est Talaria, il me semble. Ou c'est Voyageur. Ouais, de Traveler. Juste parce que c'est encore une option d'avoir plus de thunes, ce qui est logique avec un perso qui est un passif sur l'argent. Par contre, c'est vrai qu'il a l'air de se stuff à une vitesse avec ce système. C'est complètement fou. Hop, allez, on y va. On la stun. Allez. Vas-y, Susano. Bourre-lui le cul. Ouais. Ouais, putain, chaud. Non, je voudrais qu'on attaque le mid, mais c'est chaud. Sol. Ah, putain, ils ont re-engage. Allez, on va le tenter. Barre-toi, moi je vais tenter un truc. Oh là, ça lui a fait gaffe mal. Bien dommage, j'ai raté mon truc. Ça c'est vraiment dommage. Putain, Regin, il va prendre super cher. Oh putain, la détransformation pendant au moment où je jump qui me fait crever comme une merde. Putain, ça c'est vraiment dommage. C'est tout skill. Alors le Cupid est à la base, le Rata aussi, et ça veut voter pour un sur. Tu m'étonnes, 8 à 16. Je sais pas forcément moi ce que j'ai. De toute façon, on s'en fout. C'est juste histoire d'avoir un peu à quoi ressemble le perso. Si on avait envie de plus GM, on prendrait des persos différents. Hein. Peut-être se retrouver un petit peu à rejouer en conquête, histoire de faire des persos. Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Bien au-dessus du. On a quoi? Un. Putain, il y a. Ah non, j'étais en train de dire, il y a qu'un seul physique ou quoi. Et j'ai pas assez de thunes pour acheter ce que je voulais, je ne surrendrai pas de toute manière, je ne suis pas comme ça. Rata par contre c'est horrible. De tenter le style ok, mais voilà, je suis pas convaincu du truc. Tu lances le marteau dans vos gueules. Voilà. Crac. Je me demande s'il faudrait pas, je sais pas trop en fait avec quoi faut le build. J'ai réfléchi un petit peu, j'étais qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour être efficace et tout. Et j'ai du mal à me trouver une. Oh le cupid. J'ai pas trouvé réellement dans ma tête un truc prédéfini où je me dis putain, c'est ça qu'il faut. Parce que si ces auto-attaques en dragon faisaient des procs, on prendrait la gemme d'isolation et le mec, une fois qu'il est. Ce serait comme l'équivalent du bouclier de feu d'Arès et ce serait la fin de la partie. Oh là là, level 16, la Scadi, j'avais même pas fait gaffe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je recule, ouais. Elle me lance rien, elle me fait pas une patinoire insupportable. De toute façon. Là, les mecs. Non. Oh putain. Ils avaient juste pas engage comme il fallait. Crac, raté. On va le slow. T'es où? Oh putain.
putain. Ils font que de se donner tout seul. C'est pas vrai. Ah ouais. Ouais, ça c'était magnifique. Allez hop, salut, adieu. On va se transformer aussi, ça va être sympa. Merde. Hop. Non, le jump. Ouais, voilà, hop. Viens, je te soigne. On aurait dit qu'ils s'en battaient les couilles, c'est le mec qui me fuit. Ok. Crac. Ça aurait été bien qu'il y ait l'aggro à ce moment-là de la tour. Viens. Mais pas retreat, on laisse pas tomber la tour comme des merdes. Faut faire hyper gaffe au truc sur... Ouais. Ah putain, dommage. Faut faire très attention au cooldown en cours de l'ultise. Si vous êtes stoppé pendant l'action, vous êtes mort. Par contre, c'est vraiment son méga point faible. Un truc de folie furieuse. J'ai envie de prendre encore de la def, j'ai l'impression d'être hyper squishy. Et en même temps, c'est pas comme ça qu'on doit... Il y a quoi? Il y a des slows, il y a des trucs... pas mouvement. Hop. Je pense qu'il faut que je sois plus un peu partout. Et après, il n'y a pas un mouvement CDR quelque part. Non, y a rien. Encore. Il est à quoi lui, Susano? Ah, oh, 6-0 ici, ok. 6-2. Pff, allez, je défonce. Ah, très bien. Ça fait bobo, vous savez. Non, mais le mec, bientôt ça va être. Ah, c'était facile, vous m'avez tué à 2 contre 1. Oui, mais en même temps, pourquoi c'était à 2 contre 1? Parce que t'étais tout seul. Et ça, c'est pas une bonne chose, il me semble. Juste comme ça. Entre vous et moi, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Crac. Vas-y, assaisonne-le, non? T'en bats les couilles. Ok. T'as quoi d'ailleurs? Il a quoi lui en face? Oh, il a grave de def et tout. Déjà, il a plein d'items que j'ai pas du tout. T'es là. Mais pourquoi? Comment tu le fais? Mal disarme. Allez, on y va. Ça. Mais les... Je crois que j'ai dit tout à l'heure, mais ça met les CDR... ça les régène... putain, les restore de... Il va crever. De vous transformer, ce qui permet de faire un jump, et après, éventuellement, un deuxième jump. Vite. Ouais, ok. Je vais me détransformer. Donc faut faire très gaffe à ça. Aïe. Est-ce que je vais... Non, j'aurai pas le temps de faire mon 2 avant. Ah, il clignote avant la fin. C'est un effet dégueulasse. Mais il clignote pour vous dire attention, c'est bientôt la fin de ta transformation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper un truc genre des HP sinon... je vais partir sur une grosse taffe de porc là. Ah, qu'est-ce que je fais? Oh, oui, oui. Oui, voilà. Oui, perd de l'argent. Perd tellement d'argent. Ça cache ce totopu. Totopudop. Raijin il bourre. Est-ce qu'il tue? Non. Dommage. Est-ce que Raijin meurt par contre quand il bourre? On dirait. Mmh. 11 à 22. C'est marrant, on est toujours un peu. Juste, ils ont toujours le double. Fais-moi de l'argent. Donnez argent. Allez, vite. Plus vite. S'il vous plaît, donnez argent. Lui, Susano, il est mort à gauche. On va aller le chercher, mais. J'ai peur que ce petit soit mort. Voilà, ouais. Puis maintenant, je suis à portée de me faire défoncer le cul. Je suis assez content. C'était une très belle action. Merci, Raijin, de venir. Ce moment de détresse. Attends, j'essaie de me rapprocher. Voilà, comme ça, je te shell. Ah, ça passe au travers du chien. C'est bien, ça. J'avais peur que ce soit une compétence un peu pourrie pour ça. Est-ce que... Ouais, hop, on va se cacher le temps de se transformer. Il me semble qu'il y a une espèce d'explosion de poison normalement quand on fait ça, mais je l'ai pas vu en fait jamais apparaître réellement. Allez, je vais péter ses defs. Balance tout. Et te fais pas qu'il saute. Balance tout. Oui, encore plus. Ce serait cool. Il va me kill. Oh putain, ça s'est joué à rien. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il l'a tué? Non, il ne l'a pas tué. Oh, c'est trop bien. Donc là, c'est le moment où ils vont refaire un vote sur Ender. Et je vais dire oui. Oui, je veux. Je veux parce que ça ne sert plus à rien. On se fait ouvrir le cul. Et regardez, hop. En mode gros SDF de la vie. On le tente le suren.
Allez, le Susano va mourir et une fois qu'il sera mort, il va survivre. Est-ce, va-t-il tuer le Susano? On le saura au prochain épisode. Il fait un vieil escape, il rate son truc. La Afro, elle en a rien à foutre, elle a même pas Link à Susano. Tu vois, tu sens déjà en plus que l'équipe, c'est des cons en fait. Et là? Non? Ça sur pas? Allez! Ah voilà. J'espère que ça vous a plu, c'était pas finir. Je pense que c'est un jeu qui va être très 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 chiant rapidement, quels que soient les modes, etc. Faudra voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, faites tourner tout ça. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!